Et salut à tous, c'est le Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Et nous sommes en Ligue 1, troisième journée de Ligue 1, avec ce derby de l'Ouest, ou plutôt ce derby breton, hein, si on considère que Nantes est en Bretagne, entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Le FC Nantes que je vais incarner dans cette équipe, hein, qui est quatrième actuellement de la Ligue 1, avec un nul contre Monaco et une victoire contre le FC Metz. Les hommes de Comboiré ont très bien débuté ce championnat. Du côté du Stade Rennais, c'est un petit peu plus mitigé. Alors, ils ont débuté par deux nuls en Ligue 1. Ils sont actuellement 11e de ce classement. Il y a également des rumeurs, hein, du départ d'un certain Camavinga, la petite pépite rennaise. Hein. Pour l'instant, ce n'est évidemment pas acté. Mais Rennes, qui cette semaine a également gagné 2-0 contre Rosenborg en match de barrage aller de la Ligue Europa Conference. La petite compétition européenne, la dernière compétition européenne qui se situe juste en dessous de la Ligue Europa. Alors pour la petite histoire évidemment, certains le savent, mais j'habite près de Nantes, donc c'est cette équipe que je vais supporter pour cette nouvelle rencontre dans ce qui est censé être le Razon Park. Mais vous le savez, malheureusement, ce n'est pas présent dans PES. Allez, on va se concentrer, essayer de faire honneur à cette équipe nantaise hein, qui a connu, vous le savez, une saison 2020-2021 très difficile, terminant barragiste. Ils ont dû battre Toulouse, hein, autre équipe que j'aime bien, pour rester en Ligue 1. Et pour l'instant, ben, Camboiré fait bien le boulot. Une belle petite équipe que cette équipe nantaise, avec Lafont évidemment. On peut signer Ludovic Blas, Simon, il y a Cyprien, Touré, il y a Corchia, il y a Fabio, Nicolas Palois bien sûr, et Koulibaly. Allez, ça va être parti, les Rennais qui donnent le coup d'envoi. Allez, pour l'instant, les Rennais qui ont la balle. Touche en faveur des Rennais. Ça joue long vers l'avant. Bon, il résiste bien, il continue son one-man show. Allez, bien joué, bien récupéré. On peut y aller tranquillement. Contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. On va essayer de la jouer avec Ludovic Blas. Malheureusement, c'est pas forcément de donner de la meilleure des façons. C'est dommage, c'est dommage. Oh, dommage, dommage. On passe juste à côté. Bien joué, comme quoi il faut vraiment insister. Hein. C'est Koulibaly qui réussit à la prendre. Oh, bien joué Koulibaly, c'est le but. Et c'est le but, la première occasion du FC Nantes. C'est Koulibaly, hein. Heureusement on a été vraiment la jouer à fond cette balle. C'était pas évident à récupérer. Et Gomis qui est battu. Ah, l'image est belle. Le Roison Park là qui est complètement refroidi et tout s'est joué ici, hein, vraiment. Il a vraiment insisté. Et le tir à vous portant qui était cadré. Le premier tir de la partie. Et ça fait 1-0. Alors c'est passé entre les jambes du Rennais. Allez, excellent. Excellent ce but. Les Nantais qui débutent de la meilleure des façons ce petit derby. Allez, c'est pas fini. On récupère la balle. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Du soutien s'il te plaît. Non. Il s'est pas placé de la meilleure des façons. J'ai pas réussi à donner la balle comme il faut. Dommage. C'est déjà récupéré. Touré. Allez, Touré. Pour Cyprien. Pour l'instant, mais ça suffit. Koulibaly qui va tenter. Et Gomis qui s'interpose. C'était bien joué cette interception. Dommage que ça manque d'application dans les gestes physiques. Eh, les Rennais qui ne sont pas sereins. J'ai pas vraiment l'impression de voir une équipe très sereine devant moi. Koulibaly. Cyprien. Allez, Cyprien qui sert. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas grave, on va essayer de passer autrement. Cyprien. Oh là là, beaucoup de passes non voulues, hein, clairement, je vous le dis. L'interception, bien joué.
efficace le jeu. Bien donné, plein axe. Attention à Doku. Attention à Doku. Attention à Doku. Attention à Doku. Bien pris. Bien pris. Il récupère le ballon. Alors attention, hein, le pressing qui se fait de plus en plus présent là du côté du Stade Rennais. Bravo à eux, hein, ils sont en train de relever un petit peu la tête. Pour l'instant, ça tient, la baraque tient, mais on commence à subir un peu leurs différents assauts, comme ici avec Touré. Allez, bien pris, bien pris. C'est Simon qui prend cette balle. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Oh là là, c'est mal donné, mais c'est mal donné, messieurs, ça c'est pas possible. On la récupère. On va se racheter, on va se racheter. Il y a beaucoup de passes qui n'arrivent pas à destination, là c'est assez troublant. Il va falloir qu'on s'accorde, hein, entre le cerveau et les doigts, là. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Attention, ça va partir vite, ça va partir vite, ça va partir vite. Et Traoré, Traoré. Bien servi. Allez, bien pris, bien pris, ça c'est bien. Il décide d'allonger le jeu. Allez, on va essayer de servir Nicolas Palois, là. Edmond, pardon. Edmond qui récupère cette balle, ça c'est bien, on y va, Edmond. Oh oui. Oh, ça c'est pas mal joué, ça c'est pas mal joué. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça passera sur le côté. On va pas trop pousser, attention. Il peut choisir de centrer. Oh, c'est... Ah, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Monsieur l'arbitre qui n'a laissé aucune chance à cette attaque. Ah, je suis quand même satisfait de cette première période. 50% de possession. Équilibre parfait. Seulement 3 tirs de notre côté. Malheureusement, je voyais plus mieux faire. Clairement, je me suis pas mal embrouillé les pinceaux. Enfin, mêlé les pinceaux plutôt. Hein. Mais c'est vrai qu'on aurait pu mieux faire. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Va-t-il en profiter ? Bien, la profondeur. Allez, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Et bon centre dans la surface. Oh, dommage, 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 dommage. Martin, c'est joué dans l'espace. Attention. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, un bon centre. Oh là là! C'était chaud! C'était super chaud! Heureusement que Lafond a été alerte, hein, parce que là, on allait prendre un but incroyable. Hein. Je repars vers la droite. Koulibaly, bien. Allez, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Dans la surface. Il rejoue derrière le... Faut tirer là! Oh non! Non! Oh, c'est pas vrai! Il faut le mettre ce second but, hein. Il faut vraiment le mettre. C'était bien joué. C'était bien joué. Malheureusement, le tir glissé comme ça, c'est pas la meilleure des options. Hein. Clairement, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il attende que la balle arrive à lui. Et ça, je ne choisis malheureusement pas. Allez, pour l'instant, les Rennais qui ont pas forcément débuté de la meilleure des façons cette mi-temps. Et on sent bien, hein, que ça peut très bien se débloquer tôt ou tard. De toute façon, il n'y a qu'un seul but de retard, hein, pour eux. C'est joué long. Ça c'est pas mal joué, ça c'est pas mal joué, ça c'est pas mal joué. Dites-moi Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Ouh, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Mais attention quand même. Terrier. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Allez, Lafond, Lafond. Il joue avec Palois. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Ah, il faut que ça joue plus rapidement. Hein. Il faut que ça joue plus rapidement là. Tiens, Vinga. Et Doku, qui a été très bon jusqu'à présent. Doku. Giroto, qui est récompensé de son pressing. Voilà une bonne occasion de contre. Et ça, ça va être une bonne occasion. Ça va être une bonne occasion, je le sens. C'est bien donné. Ah, dommage, dommage, dommage. On est resté derrière. Allez, encore une quinzaine de minutes à jouer, et nous sommes bien. Alors, bon, évidemment, un seul but, c'est pas énorme. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi?
Alors là, vous voyez, c'est un type de contrôle. Là, je ne comprends pas comment ça a pu se passer. Long ballon dans le sens du jeu. Oh là là, c'est pas possible, messieurs. C'est pas possible, là. Il se passe quoi ? Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. André Giroto. Allez, on prend notre temps, s'il vous plaît. Toujours 1-0 alors qu'on s'approche de la fin de cette rencontre. J'ai du mal à comprendre, mais je vous assure que je fais des passes qui ne sont pas destinées à la personne qui reçoit la, c'est parfait, magnifique. La passe. C'est assez bizarre. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Allez, encore 5 minutes à jouer. Attention, attention, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les Réunais qui sont à l'attaque, là, qui ont des contres favorables. Beaucoup de comptes favorables. Oh, c'est assez fou, hein, ce qui se passe là. Et c'est la victoire, petite victoire, 1-0, un match... voilà, c'est pas le plus sexy des matchs, mais l'essentiel est là. Le derby remporté par les Nantais, alors c'est dommage, hein, vraiment on avait... de quoi, je pense, faire beaucoup mieux que ça. Maintenant, effectivement, le résultat, c'est quand même l'essentiel. On a tiré 4 fois, 3 tirs cadrés. Ça veut dire qu'en seconde période, on n'a rien fait de particulier. C'est un petit peu dommage. Koulibaly, homme du match, avec une note de 7,5. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.